Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir sur Anno 1800. On va donc poursuivre notre partie. On avait, je pense, terminé tout ce qui avait attrait au fermier. Et on va donc pouvoir améliorer nos maisons. Je vérifie, mais non, on devrait être bon. C'est juste qu'on vient de lancer la production. L'incendie a fait des ravages. Et où? Ah, mais attends, l'incendie, il est par là-bas. Voilà. Et oui, il va falloir un bâtiment de pompiers ici, voilà. Pour ça qu'on avait des petits soucis. Allez, c'est parti, on va améliorer nos premières maisons. On va améliorer celle au centre principalement. Tac. Alors, on va refaire quelques maisons. Ère de l'industrialisation. Très bien. Ouais. Vous allez avoir un travail honnête, ne vous inquiétez pas. Oui, ici. Avez-vous déjà appris la modestie ? Il kiffe pas lui qu'on se développe plus vite. Ok, on a découvert toutes les îles, mes bateaux sont revenus. Tout va bien. J'ai pas l'affichage des autres personnages, j'imagine que ça va arriver. C'est un poil dommage, parce que du coup je sais pas où sont mes îles. Je vais aller prendre celle-là je crois. Hein. Ouais. Ok. Oui c'est ça, ça me revient. Toi t'es en galère, mais je vais pas pouvoir t'améliorer encore. Pourquoi? Parce qu'il va falloir s'occuper de faire de la pierre. Avant toute chose, donc c'est du 1 pour 1. Il faut 50 ouvriers, pour ça que j'ai fait plus de maisons. On va en améliorer quelques-unes. Et on va en faire d'autres en fait. On va continuer sur ce côté. On va faire deux rangées. Quoique je vais pas avoir assez de bois. Bon, ça va venir. Tac. Voilà. Et voilà. Donc on va terminer celle qu'on peut. Voilà, là on a un peu de main d'œuvre. Alors les briques, où est-ce qu'on en a? J'ai pas vu du salpêtre, on en a ici. On a pas mal de choses sur cette île finalement. T'avais ici, c'est parfait. Tac. Et les briques. Ici. On perd un peu sur le bois. Est-ce que c'est bien grave? Je pense pas, tant pis. Tant pis, on va perdre sur le bois. Vraiment pas très grave. Hop, ok. Ensuite, il va falloir faire des élevages de porc pour produire des saucisses pour nos ouvriers. Ça se retrouve où? Ça se retrouve ici. Ensuite, on va faire du pain, on va faire du savon, on va faire beaucoup de choses. Et on n'a pas le fer de débloquer encore, non. Donc on avait mis nos vêtements. Mince, t'es pas relié à l'entrepôt toi. Donc attends, on va te déplacer, on va te mettre là. Voilà. Donc où est-ce que j'avais mis? Oui, j'avais mis l'eau de vie ici. On va mettre les cochons par là. Ou alors, attends, on part vers les vêtements plutôt. Peut-être. Ce serait peut-être un peu mieux de les mettre par ici. Ouais. Oui, comme ça, ça passe. Alors ça, c'est 5. Si je fais ça comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça me laisse la place d'en mettre ici. Très bien. Hop. Il va nous falloir des briques pour ça, ça va venir. 1, 2. Donc. Toi, j'imagine, voilà. On peut te construire, très bien. Donc, on va en faire d'autres. Alors, ça se retrouve où? Ça se retrouve un peu près de la ville, ça m'embête un peu. Eh bien, très bien ici, ça va être nickel.
tac. C'est du 2, et oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié. 2, et bien on va faire ça. Est-ce que je peux te décaler? Ouais. Parfait. On va mettre un entrepôt ici. Voilà, il va falloir de nouvelles habitations. Petit à petit, on va s'éloigner du centre, donc à voir s'il faut pas, s'il faudra pas refaire une place de marché. De ce côté, on peut s'étendre. Non, j'ai encore de la place ici, en fait. Mince. Ah. Déplacer, c'est ici. Il en est bon. Je termine la route. Hop, voilà. Ok. Il va falloir que je fasse un... Ouais, ici, voilà. Une autre briqueterie. Ah, ça va être problématique de perdre autant sur le bois. Bon, après, en soi... Attends, t'as un entrepôt ici. Ok, on va décaler la route. Voilà, le bois, ça gêne pas, là. Très bien. Il me faut quoi? Oh bah j'ai tout. J'ai été livré. Non, j'ai pas été livré. Par contre, on a énormément d'habitations qui sont arrivées. On va les terminer. Hop. Et puis, on va pouvoir améliorer les maisons. Et on devrait être bon. Toujours pas de briques. Il va falloir juste augmenter les fermiers en ouvriers et ça va être bon. Voilà. Et au niveau des saucisses, ça a commencé ou pas? Bien de consommation, non pas encore. Bon, vêtements, eau de vie, ça monte, ça va arriver. C'est combien? C'est 4, ouais. Me tâte à faire plus de bois. Je pense qu'on va le faire. On va le faire, mais où? Par là, on a encore de la brique ici, ouais. On va se mettre par là. On va faire 2 de plus. Ouais, là, ça va être pas mal. Le temps qui m'indique, c'est vu qu'il n'y a pas d'arbres, il va falloir qu'il pousse les arbres. Tac. Tac, un entrepôt. Une route. Et donc ici on va rejoindre comme ça. Voilà. Alors le journal, tout va bien, on publie. Toi t'es relié à aucun entrepôt? Oh purée, pour les 3 petits mètres qui manquent là. Voilà. Ok, on va pouvoir améliorer des maisons. Voilà, impec. Ville portuaire, donc on a débloqué des bâtiments, on a débloqué. Donc les saucisses, est-ce que c'est arrivé? C'est en train. C'est là que maintenant il va falloir faire du pain, il va falloir faire une église, pour faire des bateaux. Faudrait peut-être que je recharge la partie pour qu'il me réindique les... Ou alors, attends, on va faire un test. Est-ce qu'il va me recharger les... Non. Ok, bon. Pendant que ça construit là-bas, ici.
Où est-ce que j'ai mis mon port là-bas? Ici, on va pouvoir commencer une petite colonie. Avec. Non. Une place de marché. Donc ici, ça va être surtout pour faire. On va pouvoir faire céréales, poivrons. Ah, c'est le houblon qui va me manquer pour la bière. Est-ce que j'en ai ici? Non. Ici, on en a. Île non colonisée. Il va falloir la récupérer pour le houblon. Elle est pas loin. C'est celle-ci. Ah, voilà, on fait la bière ici. Là, on a ce qu'il faut ici. On n'a pas énormément de place, mais on a tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, on va juste commencer la petite colonie ici. On va se mettre là, ça va être une... ça va pas augmenter beaucoup de niveau, je pense. Alors attends, on devrait pouvoir améliorer des maisons, yes. Voilà, plus de pénurie, très bien. Donc ici, très bien, alors... Je suis pas certain qu'ici on y amène de l'électricité près des maisons. Donc pas d'utilité à avoir un... à avoir comment dire des rails qui passent pardon pour relier aux centrales électriques. Ah mince, ah voilà, on va s'en contenter. 9900, très bien. Il va falloir des scieries. Attends, on va mettre l'entrepôt d'ailleurs en avant. Hop, avant d'oublier, matériaux de construction ici, on achète au max. La brique idem. Et ici aussi, on va même, si possible, des voiles, non. Par contre, des armes, ça pourrait être intéressant. Ok. On va relier ça à la route. Enfin, à la route. Au comptoir commercial. Toi, t'es ici. Ok, alors on va partir déjà. Ouais, comme ça. Non, je suis parti mauvais. Voilà, un peu de poisson. Alors, est-ce que tu vas faire une transaction, toi? Ouais, il nous a livré des briques, génial. Génial, d'où l'intérêt d'avoir des accords commerciaux tôt dans la partie. Alors, habitation. Un, deux, trois. On met une route. Ok. Et donc là, on va être bon. Ouais. Main d'œuvre critique, ça va arriver, t'inquiète pas. Main d'œuvre insuffisante, ça va arriver. Ok, alors on revient sur notre île principale, on revient sur Johnston. Est-ce que le poisson... Mince, je me trompe de touche. Est-ce que le poisson on est toujours bon? Ouais, ça monte. Les saucisses, je suis presque inquiet. Ah, mais j'ai pas construit, je crois, les bâtiments. C'est où les saucisses? Par là. Ouais. Et donc, du coup, il va falloir améliorer encore des maisons. Ok, une quête. Ouais, mes collègues, on avait vu tellement de choses à la bricaderie. C'est bientôt l'anniversaire de Jimmy. Ce qui lui ferait vraiment plaisir, c'est une photo encadrée de l'endroit qui nous a tous réunis. Ouais. La photo de la bricaderie. Tu m'as pas du tout mis au bon endroit. Je ne sais même plus où elle est d'ailleurs. Elle est là. Oula.
Envoyer la photo. Good. Du coup, tu me donnes un métier à tisser électrique. Artisanat. L'industrie textile. Ah, génial. Productivité plus 35%. Sachant que des industries textiles... On en a ici. Donc ça, faudra peut-être le bouger, en fait. Parce qu'en fait, on a débloqué ici la corporation. Qui me permet... d'avoir... ce type de, d'objet, et ça va activer, le bonus sur ces bâtiments. Alors ce qu'on va faire par contre, c'est rusher un peu ça quand même. 50 ouvriers, ici 10, ici 100, attends, il faut que des ouvriers. Ok, donc il nous en faut 50, 60, 160, ok, 360. Donc il va falloir des maisons. On va commencer un nouveau quartier, enfin une nouvelle ligne de quartier plutôt. Ok, on termine la route. Je vais peut-être laisser en prévision. On va faire ça comme ça. Une allée principale ici, ouais. Avec de la déco autour des rails, pourquoi pas. Et ici, on va laisser passer les rails si besoin. Oui, je sais, vous n'êtes pas connecté, vous inquiétez pas. Hop, hop. Je peux en faire qu'une, ok. Donc, commençons par le faire. Donc, il faut ramener toi 15 secondes. Hein. C'est ça, donc 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3, ok. Alors du fer, on en a deux déjà, c'est pas mal. Ok, le fer, on va utiliser celle-ci. Vraiment, manque de fermiers? Ah oui, c'est possible. T'es à combien? 1, ouais, ça va se remplir. Sachant que le poisson va se débloquer quand on aura 50 fermiers, ok. Donc on était sur le fer, ça y est, on produit du fer, il va nous falloir deux charbonnières. Par ici peut-être. Après il y a des mines, ça va me gêner. Plutôt ici. Une. Une et deux. Je peux avoir du 100%. Allez. Tant pis, entrepôt. Ok. Donc ça c'est bon, il va nous falloir deux fourneaux. Alors on va les placer où les fourneaux? Dans ce coin-là, on déplacera les vêtements peut-être. On va juste faire une route qui laisse passer l'électricité. Parce que ça, ça va être électrifié à terme. Voilà, donc ça c'est vraiment en prévision du pétrole. Hop. Une centrale électrique par là, pourquoi pas. Donc il faut deux fourneaux. On va mettre des pompiers quand même avant. Ici, tac. Parce que dans mes souvenirs, ça pète souvent ça.
deux fourneaux et... il en faudrait 3 pour ramener à 15 secondes, ça va faire énormément de monde. On peut mettre ça comme ça. Et donc du coup, il va falloir de nouveau améliorer des maisons. Bon, pendant que ça monte le bois, on va aller voir là-bas. Hop. Tac, ouais, dès que là on a assez d'acier, on colonise une nouvelle île, celle où il y a du houblon surtout. On peut vous faire, donc, vous avez besoin de vêtements, yes. Les vêtements, on va vous les mettre dans un coin. Pourquoi pas par ici, allez. Voilà. Attends. Ouais. Ouais, non, si on est bon là. Un entrepôt. Bon, je peux le mettre ici l'entrepôt. Hein. Du coup, toi, je peux te coller. Hop. Ok. Est-ce qu'ici, on a 12 d'acier, on a 15 de bois. C'est pas trop mal, mais je crois que c'est insuffisant. Pour partir sur une nouvelle île. T'es là. Ah attends, on va avoir peut-être 24 de bois, ça c'est bon. Ok. Marchandises. On prend tout le bois. On prend toutes les briques. On prend toutes les poutres. Yes, on a encore une brique, super, encore du bois. Voilà, et donc on part, c'était sur celle-ci que j'avais dit. Ce serait bien d'avoir houblon, ouais voilà. Ça, ça va être l'île à bière. Ok, toi tu pars ici. Est-ce qu'on peut améliorer des maisons? Mince. En fait, le bouton pour désélectionner... Alors attends, je voudrais que tu te mettes sur la côte la plus proche. Donc ouais, tu viens ici. Le bouton pour désélectionner quand on est en mode construction, c'est le clic droit. Et quand on est avec le bateau, c'est pas pour désélectionner, c'est pour déplacer le navire. Et du coup, ça bug des fois dans ma tête. Allez, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre d'ailleurs? Ouais, église, le pain, si je me souviens bien, c'est du 2, 1... Deux, ouais. Le pain, on peut le faire ici, c'est juste du blé qu'il faut. Donc ouais, pendant que ça monte, on va se mettre en mode architecte. On va prévoir les plans pour le pain. Allez, vraiment petite noterie, hein. Puis, mince. Tu m'étonnes que le bois, il monte pas. Voilà. Le pain, on va le faire par là. 2-1-2. Et là, vous avez pas d'entrepôt, sérieux? Voilà. Donc en fait, c'est juste qu'on a été... ouais. On n'a pas été livré, ouais. Toi, il faut quoi? 10 de briques. C'est quand même 200 d'entretien. Ok, bon, alors le pain, ouais, au bout sous coin, peut-être. On peut prendre ce coin pour le pain. Donc, on va s'en faire 2. Je crois que c'est 144 le nombre de cases. 1, 2. Un moulin. Et 2 boulangeries. Un espace pour la route. L'entrepôt au bout. Et là j'ai mis 2 espaces. Ouais.
Non, j'avais mis un espace, on est bon. Voilà. Il reste plus qu'à relier à notre ville. On peut le faire par là. Quoique, non, ça va m'embêter pour les champs. Ok. Ok, on peut améliorer des maisons. Et on a débloqué le poste de police. C'est quoi? Il manque juste du bois. Bon, ça va arriver, le bois. Ok, on va terminer ça en attendant. Alors, c'est du 144. Il faudrait que je parte là-bas. Ou je suis déjà à 144, là, ok. Et donc, toi, tu vas venir là. Ok, il nous a livré tout ce qu'on avait besoin pour construire le poste de police. 144, très bien. On va le faire de suite avant qu'on ait des émeutes. Oh, ça aurait été beau qu'il passe ici. Et bien comme ça. Ouais. Ça me paraît pas mal. Après, niveau service... Ah oui, on va voir l'école et l'église, il faut 25 briques. Là on est bon, alors attends, est-ce que on peut commencer à faire des poutres en acier? Lui il va commencer à galérer par contre. Hein. Oh quoique, ça va encore. Hop, il est en galère au début. Hop. Faut agrandir la ville assez vite finalement. Et ça y est, on a débloqué l'école. Il faut 20 poutres en acier, 25 briques, 20 bois. Ok. On peut commencer à la placer. En mode architecte, ça c'est pas gênant. Tac. L'école. L'église, on va la placer par ici. Ah! Ah, 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 ça m'embête ça. C'est pas dramatique. On va modifier un petit peu. On va faire ça. Ça, ça, mince. Bon, je vais la refaire. On sait quoi, je vais la refaire après, c'est pas très grave. Ok, et donc je vais faire ça plutôt. Une double route, pourquoi pas de ce côté, c'est pas gênant. Simplement, on va juste enlever la double route ici pour caler notre église. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Oui, en largeur, il fallait que je gagne un aussi en longueur, ok. Donc j'enlève ça. J'enlève ça. Et on peut placer l'église, voilà, impec. Donc, poste de police, ça c'est combien? 2500. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu, du coup on va faire un peu de diplomatie. Est-ce que je peux te flatter? Moyen. Mince. Ouais, tu rigoles. Est-ce que je peux te flatter? Bah, j'ai plus d'argent à te donner, très probable. Exactement. Bon. Pacte de non-agression, ils sont pas fans. Ils sont pas fans, ok. Ah ben c'est pas grave. Regardons un peu les besoins de la ville. Ok, l'eau de vie, il va falloir en refaire. Elle est où l'eau de vie? Elle est là-bas. Yes, elle est ici. D'où l'intérêt de prévoir le truc. À l'avance. Tac, tac. Et 72, parfait. Mince. Non, si j'étais bon. Et donc là, boum, boum, boum.
Voilà, comme ça on va pouvoir tourner petit à petit autour de l'entrepôt. Il va nous falloir... Je peux le mettre ici finalement. On va faire comme ça. Voilà, et du coup là on va manquer de fermiers. Mais c'est pas grave parce qu'on avait prévu le coup. Et maintenant on va manquer de poissons, évidemment. c'est stable. Ok, on va faire une nouvelle pêcherie. Alors, par ici on peut le voir. On va manquer de vêtements aussi, pour le reste ça a l'air bon. Donc nos vêtements, ils sont ici. Donc un de plus, on va copier ça. J'ai plus d'argent, tout simplement. On va remonter les bénéfices, je m'inquiète pas, il faut juste que les gens reviennent habiter, voilà. Grave erreur. Ah oui, j'ai plus d'argent. Ok, alors mince. J'allais dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ce qui coûte cher. Et ce qui coûte cher, c'est ça. Hop. On va faire une pause là-dessus. Tac. Tac. Et tac. Et donc là voilà, on repasse en positif, on essaie de regagner un peu d'argent. Ah, t'es pas connecté. Sauf que ça coûte 3 et je les ai pas. Bon, ça va remonter, je m'inquiète pas. Petit à petit. Oh, c'est gentil, George. Impeccable, merci beaucoup. Ok, alors on va refaire... Attends, on va refaire ou on va pas refaire? Non, l'eau de vie est en train de remonter. Ouais, ils en siphonnent de l'alcool. De toute façon, les maisons, c'est pas perdu, on en aura toujours besoin. Hop. On va aller voir dans notre navire aussi, d'ailleurs, j'ai un peu oublié, il a dû arriver, j'espère qu'on s'est pas fait coloniser l'île qu'on cherchait. L'île à bière. Une quête de satisfaction. Première fois que je vois ça. On va accepter. Pourvoyer en région, bonheur de résident, au moins 25 pendant 5 minutes. Ça va arriver ça. Oui, ça va arriver assez vite même. Un peu de diplomatie, non attends. Mon île à bière, celle-ci. Ouais. Je vais avoir le bateau. Yes. Du coup, on a pris l'île, c'est parfait. Toi, on va te renvoyer ici. Ah là là, Beryl. Ah, on va pouvoir faire, du coup. Ah non. Eh oui, non, il faut des... Il faut beaucoup d'acier, là, il faut juste de l'argent. Pénurie agricole, pas du tout. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de bonheur. Et je publie. Non. Hop. Voilà. Les bénéfices vont remonter. Oh, détends-toi.
Elle est kiff par contre. Probable. Ah! Et toi, moyen. On pourrait lui redemander des quêtes. Je vais pas forcément le faire. C'est pas une perte de temps, mais bon. Alors vous, il vous manque quoi? Des vêtements. Vêtements de vie, il va falloir en refaire. Il va falloir en refaire et alors attends. Toujours pas, toujours pas. Okay. Encore? Ah oui. Voilà. Ok. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Oh l'enfoiré. L'enfoiré. Ouais, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce let's play sur Anno 1800.